Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer un tirage général pour le mois d'octobre. Comme vous pouvez constater, il ne me reste plus qu'un signe. Donc, ceux qui ont suivi savent qui est ce signe mystère. Sinon, vous allez attendre la fin de la présentation des cartes. Donc, ce signe mystère va recevoir des cartes conseil ou des cartes message avec le self-love. Vous allez avoir une carte message. Vous allez voir, mon oracle est génial. J'adore, l'illustration est magnifique, c'est plein d'humour. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. Et vous allez avoir un tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Donc je vais mélanger, on va faire la valse des signes astrologiques. Et sans plus attendre, eh ben c'est pour vous les Sagittaires. Bonjour à vous les Sagittaires. Alors, quel va être votre message ? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, j'ai trois cartes pour vous. La première, vous allez la lire avant moi. Et là, on dit « rêve grand ». Ah ouais? Vous avez l'habitude de rêver petit et vous êtes surpris que vous avez du grand. Donc là, on est en train de vous dire, ben non, rêvez grand tout de suite. Deuxième message pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? La force est en toi. Ouh, Jedi. La force est en toi. Ne te laisse pas dicter tes idées. Bats-toi pour tes convictions. Donc, rêve grand. Et si tu as des idées plutôt grandioses, eh ben, bats-toi pour les avoir, maître Jedi. Et la dernière carte pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on dit ? Offrir un sourire, une attention, ça n'a pas de prix. Alors, ça marche peut-être pour vous, mais peut-être que vous aussi, de temps en temps, un petit sourire ou une attention, quelque chose de sympa, un petit mot gentil, ça vous ferait plaisir, quoi. Parce que peut-être que vous pensez toujours aux autres. Et là, on est en train de vous dire... Rêve peut-être un peu de toi, pense à toi, rêve grand. La force est en toi, maître Jedi. Et on parle de sourire, on parle d'attention. Ça n'a pas de prix. Donc oui, vous avez besoin de sourire, vous avez besoin d'attention. Mais peut-être qu'on vous dit également à vous, peut-être si vous voulez que vos rêves se réalisent en grand, souriez. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de me dire, ouais, enfin, en gros, il faut être hypocrite, quoi. Hein? Qui c'est qui m'a sorti ça? J'ai ça en tête. En gros, si tu veux ton rêve, j'ai quelqu'un qui est en train de me dire, là, ben, moi, en fait, j'ai toujours rêvé la place de mon chef, donc je rêve grand. Et pour ça, en fait, il faudrait que je sois hypocrite, que je lèche, que voilà, que j'ai toujours le sourire. Et ben non, 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 non. Ben non. Ben qui c'est qui m'a sorti ça? Ben alors, les Sagittaires. Ben voyons. Alors, mon oracle, alors, une autre carte pour les Sagittaires, ça m'a perturbé maintenant, qui c'est qui m'a sorti ça?
Qui c'est qui va oser se dénoncer là? J'ai deux cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Inverser la vapeur et arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que je vous disais? C'est génial, hein? J'adore. Arc-en-ciel. Alors, inverser la vapeur, ça veut dire quoi? Toutes les portes ne sont pas grandes ouvertes. Ah bah, c'est peut-être pour ça que vous rêvez petit. Pour réaliser ce qui te tient à cœur, il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, ils ont le pouvoir que tu leur donnes. Ça, c'est vrai que si vous rentrez dans le stress, ben jamais vous allez entreprendre ce nouveau chemin de vie. Ça, je suis d'accord. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Donc, il faut laisser les peurs. Donc, c'est pour ça, en fait, que la madame, là, elle est en train de mettre l'araignée dans le verre. Donc, en fait, elle a peur de l'araignée. Mais si elle veut aller dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain, il faut mettre un verre. Il faut oser franchir cette peur. Donc ça, c'est le premier message. Et maintenant, nous parlons de l'arc-en-ciel. Hop, on va reculer. Génial, hein, j'adore. Alors, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est pas passager. Donc, la carte, elle dit malheureuse parce qu'il y a une madame, mais bien évidemment... Peut-être que vous, monsieur Sagittaire, il y a peut-être aussi quelque chose qui ne va pas en vous. Hein. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. C'est pas faux. Et quand on est toujours dans le bonheur, c'est pas une chanson de Christophe Maé, ça, quand on est... Ah, il est où le bonheur, il est où? Oui, c'est ça. En fait, quand on est toujours dans le bonheur, et puis une fois qu'il est parti, ben on ne se rend pas compte finalement qu'on était dans le bonheur, hein, c'est ça. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, est-ce que ça vous parle, les Sagittaires? On va poursuivre ce message pour vous avec le 77. Non, là, ça fait beaucoup. Hein. Là, t'exagères un petit peu. Allez, message pour le 77. Génial. Extra, la carte du soleil, la carte de l'énergie. La meilleure carte du tarot également. Bon, bah, j'ai presque envie de terminer le tableau comme ça. Hein. Franchement, pourquoi s'inventer des malheurs? Allez, pour les Sagittaires. Est-ce que vous attendez un message? Est-ce que vous attendez un coup de téléphone? Peut-être depuis cet été, hein, pourquoi pas, parce que c'est la carte de l'été également. Premier message, on parle évidemment du soleil, donc peut-être depuis cet été. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous parle que du bonheur. C'est la carte du soleil, c'est la carte de l'énergie, donc c'est la carte de la joie, des bonnes nouvelles que vous allez apprendre par téléphone, peut-être. En tout cas, on voit, il y a un téléphone. Et cette bonne nouvelle consiste à une réconciliation, une paix, ou alors une signature, un accord. De tout genre, hein. En tout cas c'est que du positif, hein. Un terrain d'entente, se rapprocher peut-être de quelqu'un. Donc ici nous n'avons pas de sujet,
Donc, si vous attendez un message sentimental, ça va se faire pour vous les célibataires. Pour vous les personnes en couple dont il y a des hauts et des bas, un peu comme tous les couples, ouais, c'est ce que je viens d'entendre, bah oui, bah comme tout le monde, hein, bah oui. Donc on vous dit ne vous inquiétez pas, ça, votre problème va s'arranger. Si c'est professionnel également, on va vous contacter, il va y avoir quelque chose. Alors, je ne vous promets pas un CDI, mais en tout cas, il va y avoir un terrain d'entente. Alors pourquoi pas de l'intérim, un CDD, en tout cas pour commencer. En tout cas, quel que soit le sujet, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est tout bon. En tout cas, vous allez avoir une bonne nouvelle. En octobre. Ici, on vous parle peut-être de se voiler la face sur une situation, ou alors on vous dit que vous allez peut-être enfin voir plus clair sur une situation floue, c'est possible, mais vous attendez justement cette aide que vous n'avez pas pour l'instant. Donc, vous attendez ce coup de téléphone, cette aide, mais pour l'instant, justement, vous n'avez pas cet accord, vous l'attendez. Pour l'instant, il n'y a rien, quoi. C'est bloqué hein, dans tous les signes astrologiques, dans tous les domaines, tout est bloqué. Hein. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de sujet bien défini. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. En tout cas, si ça vous parle sur une situation dont vous êtes voilé la face, vous avez besoin d'une aide ici sur une situation, une aide que vous n'avez pas pour l'instant. Ou peut-être tout simplement que vous avez besoin d'un professionnel. Est-ce que vous avez un souci peut-être d'énergie, voilà, peut-être une dépression, une fatigue. Est-ce que vous avez besoin l'aide d'un médecin, l'aide d'un spécialiste? Mais vous vous voilez la face, vous dites maintenant c'est bon, ça va aller, allez, c'est juste une petite baisse de tension, ça ira. Est-ce que ça vous parle ça, les Sagittaires? Allez, autre message. Est-ce que vous voyez, je vais bouger la caméra, hops, voilà. Ici, c'est la carte de l'épanouissement, mais pas que, ça peut être la carte de la sexualité également. Donc, premier sujet, l'épanouissement qui ne se fait pas, puisqu'ici on voit bien que vous êtes en dualité, donc avec forcément une autre personne. Peut-être avec vous, puisque vous vous voilez la face sur quelque chose, c'est possible. En tout cas, on parle de conflit. Alors, est-ce que parce que vous vous voilez la face sur quelque chose, vous êtes en conflit avec d'autres personnes, en conflit peut-être avec vous-même, vous n'arrivez pas à vous épanouir? Pourquoi? Puisqu'ici, on voit bien qu'il y a eu à un moment donné un changement négatif dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être financier, et ici, on parle bien de vous. Si ce n'est pas un problème d'épanouissement, c'est un problème de sexualité. Alors, est-ce que vous avez été trompé? Vous avez été trompé, ce qui fait que maintenant vous êtes en dualité avec quelqu'un, j'ai oublié de le dire, cette dualité aussi a engendré une coupure nette et franche. Suite à quelque chose de négatif, donc évidemment si vous avez été trompé, il y a eu un changement négatif et ici on parle bien de vous. Quand on regarde dans le sens vertical,
Alors, on peut très bien parler de cet été. Cet été, effectivement, vous êtes peut-être voilé la face sur quelque chose, mais manque de peau, à un moment donné, vous êtes voilé la face, mais voilà, ça c'était mis à jour. Donc ici, on parle de la sexualité. Donc vous avez pu voir que vous êtes trompé, vous avez été trompé, ce qui a engendré une coupure nette et franche. Donc oui, ça peut être sentimental, vous avez été trompé cet été, donc de cette année. Ou alors, ça peut être professionnel, dans le sens où on vous a peut-être promis quelque chose, vous l'avez pas vu venir, et manque de peau, voilà, il y a eu tromperie sur ce qu'on vous a promis, ce qui fait que vous avez entrepris une coupure nette, il y a eu un clash, voilà, un clash, coupure nette. Si c'est pas cet été, ici on parle avec la carte à côté qui n'est pas spécialement bonne. Donc peut-être une baisse d'énergie. Est-ce que vous avez eu une dépression? Il y a eu quelque chose qui n'allait pas sur quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Mais à un moment donné, je pense que ces yeux, ils ont dû s'ouvrir. Parce que justement, sur la problématique que vous avez eue, vous êtes dit, si je veux m'épanouir dans la vie, à un moment donné, il faut que je casse, il faut que je romps avec des personnes néfastes alentour de moi. Ça, c'est l'autre message qui me vient. De l'autre côté, vous attendez une aide, vous attendez un coup de téléphone, en tout cas, vous attendez un message. Pourquoi ? Puisque ici, vous avez eu un changement dans votre vie, un changement négatif, et donc vous attendez maintenant cette aide. Donc encore une fois, il n'y a pas de sujet, ça peut être sentimental, financier, professionnel. Ici, on vous parle d'accord, mais on vous dit non. Non, il n'y aura pas de réconciliation. Non, il n'y aura pas d'accord. Donc si vous attendez, malheureusement, alors est-ce que c'est... Ça peut être sentimental, est-ce que mon ex va revenir? Non, il n'y aura pas d'accord. Est-ce que professionnellement, bon oui, j'ai fait une petite faute, mais est-ce que non plus. Ils vont pas vous reprendre. Donc voilà, ici c'est plutôt extrêmement négatif. Il n'y a qu'une carte, je conçois. Moi, je veux une explication sur cet accord. Peux-tu me donner une carte, s'il te plaît, sur la réconciliation, sur l'accord, sur la mise entente? Donc ici, on parle d'accord, en tout cas, pour quelque chose de nouveau. Et ou alors ça concerne un enfant également. Et sur le nom, ça fait un peu beaucoup. Hein. Peux-tu me donner une carte pour compléter le nom, s'il te plaît? C'est quoi ce nom? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Donc ici, on parle d'accord, on parle d'attente, puisque ici, nous avons la carte de l'attente. Mais on parle de réconciliation, on parle de terrain d'entente, on parle de se rapprocher peut-être d'un enfant pour certaines personnes. Ici, on vous dit non. Non, malgré que ça fait longtemps que ça a coupé. Non, c'est un non définitif. Hein. On voit bien qu'il y a une renaissance. Ça vous a bouffé la santé. Ou alors, tout simplement, c'est une personne de la famille. C'est un enfant de la famille. Ça peut très bien être le vôtre. Mais non, en tout cas, il n'y a rien qui va bouger hein, si ça concerne un enfant. Pour d'autres personnes, terrain d'entente pour le futur.
Donc pour quelque chose de nouveau. Également, on vous dit non malgré que ça fait longtemps que vous attendez. En tout cas, on vous parle que même s'il n'y a pas terrain d'entente, vous avez bien coupé cette situation pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, on peut très bien vous parler de la famille, mais on peut très bien vous dire que vous avez coupé pour entreprendre quelque chose de nouveau, puisqu'il n'y avait plus d'entente, il n'y avait plus rien, mais c'était surtout votre santé qui était en jeu. Alors santé, peut-être physique, mais en tout cas santé morale. Les Sagittaires, bon ben voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, donc pour les tirages de novembre, que je vais commencer en octobre. Moi je vous embrasse et ben, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.